Mama. Fais attention à... Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vous allez, mes fanas? Mes fanas, mes fanas, mes fanas, mes fanas. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère? On s'y les mêmes. Oh là là, beaucoup de gens ne m'ont pas vu depuis. J'ai des messages déjà. Tu ne fais plus de direct, tu ne te captes plus, je ne t'ai pas senti. Tu es où depuis? Eh, la paix, oh, la paix. Je profite de ma famille. J'ai même Galba dans la maison, je m'engalbe. Je m'engalbe avec mon mari, je m'engalbe. Je me balbe dans ma maison, je m'engalbe. Je m'engalbe avec ma famille, je m'engalbe. Enfant ou pas, je m'engalbe dans ta maison, je m'engalbe. Aïe, maman. Comment vous allez? Dit qu'elle a fait de Salomé Tchatchet. Et Sylvain, je suis sur ça, c'est mon combat. Salomé Tchatchet et Sylvain, c'est mon combat. Mon combat. Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Seigneur, Salomé Tchatchet et Sylvain, c'est mon combat. Je vous dis pourquoi je prends le combat là. Yoï, on peut faire ça, dama. Mettez d'abord aéroba followers. Des followers qui ne dorment pas parce que d'autres dorment. Et Bako, bonne nuit. Oh. Je sais que tu es seulement en pause. Pause toilette, pause quelque chose. Mettez aéroba super fan. Vous mettez aéroba followers, ceux qui sont debout. Et tout. Ensuite, on va parler. Parce que là, je suis un peu choquée, quoi. Je suis un peu choquée. Et vraiment. Mako, c'est la pause, pipi, repas dormi. Parce que je sais qu'à Paris, il est quelle heure? 2 heures? 1 heure? 2 heures du matin? Je ne sais pas. Salomé Tchatchet et Sylvain, mon combat. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Makana, vous faites ça comment? Vous poussez un couple au clash. On n'a jamais entendu la voix de Sylvain. Sylvain se connectait ici, il était debout comme un guerrier mandingue. Moi, je l'ai baptisé guerrier mandingue, un guerrier quand. Je ne voyais pas, je n'entendais pas la voix de Sylvain. Et mon fils l'avait sa mère. Il paraît que chose t'était. Comment tu vas? Ça va bien. Je dis que Salomé Tchatchet et Sylvain, mon combat. Sylvain ne parlait pas. Salomé dansait, Sylvain était muet. Elle demandait comment on appelle le manioc en étonne. Sylvain donne le nom, c'est tout. Sylvain danse seulement, Salomé elle danse. Vous avez tout gâté. Vous avez poussé ce couple au clash. Vous avez œuvré pour que ce couple soit dans les clashs. Vous avez travaillé fort. On ne fait pas ça. Le bonheur des gens, je ne sais pas ce que ça vous donne. Les chaos de Sylvain, ton combat, ok, Mako. Moi, les chaos de Sylvain ne sont pas mon combat. Et Sylvain n'est pas un enfant. Quand un homme porte ses deux pieds, il part se mettre derrière une femme. Qui sait que qu'il calcule, additionner, soustraire, elle ne va pas lui donner les chaos, mais il décide de rester, il a les bonnes raisons. Vous ne savez pas s'il est en rupture de Kaolo de quelque part, s'il a fait un truc de Kaolo ailleurs, ça n'a pas marché, s'il est en train d'attendre, ou bien s'il est en mariage de quelque chose par rapport à une autre personne, par rapport. Les gens sont en ramification de Kaolo avec vous, vous le savez, vous les menguez. Il n'y a rien que vous ne connaissez pas qui est autour de Kaolo. Et si on dit que ça fait 6 ans, ça fait 7 ans, nous quoi dedans? On sait que depuis 7 ans, ils sont en train de faire quoi? Je suis entendu dire que oh, Sylvain travaille, Salomé fait travail avec les papiers de la du frère de Salomé. Leur vie, vous avez mis leur vie dehors du genre qu'on ne comprend même plus. Avec les papiers du frère, Salomé les dépose et il ne s'occupe pas des enfants. Sylvain est assez mature, assez grand pour savoir qu'il doit s'occuper de ses enfants.
S'il n'envoie pas l'argent de l'épicerie ou de la rentrée scolaire, des habits, des chaussures des enfants, ça ne regarde pas Salomé. Arrêtez vos conneries. Vous savez comment l'école dit que non, il travaille vers l'argent, c'est Salomé qui mange. Donc vous avez déjà choisi de dire que cette femme est en train de finir son argent. C'est pour ça que vous êtes toujours une femme est dans son foyer, son mari, sans de construire leur vie, vous calculez derrière qu'elle finit son argent. Vous n'avez aucune idée de comment le foyer la tourne. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez même pas que, qui fait quoi dans cette maison-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est que, oh, Sylvain travaille, Sylvain ne s'occupe pas des enfants. C'est Salomé qui mange tout l'argent. Depuis que Salomé avait lui, depuis, vous avez vu, elle a pris du poids. Salomé a pris plus de poids. Donc, vous voulez dire qu'elle mange les 10 boules de couscous. Est-ce qu'elle a pris plus de poids que ce que nous connaissons d'elle? Je ne pense pas. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et dire que, oh, la personne ne s'occupe pas des enfants. Oh, elle travaille l'argent avec le nom de le caolo de son frère. Oh, il ne paye pas, il n'a pas de caolo. Oh, la famille, il n'est pas parti au deuil de son frère. Il y a même les gens qui ont les papiers s'ils partent pas au deuil. Vous ne savez pas quand quelqu'un prend l'avion et quitte le pays. Il y en a qui prennent l'avion et quitte le pays, ils ne veulent plus rien savoir de l'Afrique. Moi, j'ai des personnes que je connais proches de moi que depuis qu'ils sont allés en Bénin, 30 ans, ils ne veulent plus jamais revenir. Ils ne veulent même pas prendre les nouvelles même d'une personne là-bas. Vous ne savez pas dans quel état d'esprit Sylvain se trouve. Vous le voyez, il danse tantôt, parfois. Votre travail avant, c'était qu'il n'est pas heureux. Et comme il danse, il a l'air froid, il est glacé, il est comme si, il n'est pas souriant, il n'est pas involve, il n'est pas ceci. Donc vous allez même changer les humeurs des gens dans leur apparence. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu ici sur Meta par vous? Dans les couples des gens. Salomé Tchapchep et Sylvain, mon combat. Mon combat. Je discute avec des personnes là-dessus. Vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez. Vous êtes des sorciers en permanence. Vous êtes foncièrement méchants. Vous voyez un couple, elle danse, elle fait ses TikTok, elle est même déjà star avec son mari. Vous venez maintenant raconter que le gars n'a pas les papiers ou ceci, cela. Est-ce que le gars s'est plaint chez vous? Et si vous êtes de sa famille, vous l'aimez trop. Alors, quelle est la mesure que vous avez prise pour ses papiers? Disons que Salomé a les papiers, elle a gardé dans son tiroir, elle ne veut pas lui donner. Avez-vous trouvé une blanche pour le marier? Est-il dans un cas de mariage avec une Congolaise? L'avez-vous paxé? Et puis, il peut toujours faire le pax avec un homme. Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Non. C'est seulement braquer votre caméra et cambéti, basse, machin, ceci et tout, oh, comme ça, il monte. Maintenant, c'est devenu une guerre des bêtises et des bêtises et des bamis. Mais c'est quoi le projet, en fait? Donc, on n'est plus libre de s'aimer, quelles que soient les frontières, quelles que soient les ennemis, on n'est plus libre de s'aimer, en fait. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, aujourd'hui, M. Sylvain devient un clasheur. Sylvain, on a prononcé la mère de Sylvain, Sylvain est sorti de ses gants. Il n'y a pas besoin d'arriver jusque-là. Ça fait déjà trop de mal aux gens comme ça. Pourquoi les réseaux sociaux? Franchement, Zuckerberg n'avait pas créé cet outil pour ça. Ça fait déjà trop de mal aux gens. Une chance que Salomé, c'est une vraie bambie qui est bangandée, qui se respecte. On a dit qu'elle est bamboula, pourquoi? C'est-à-dire qu'elle tape sec, elle répond propre. Donc, elle va vous insulter, vous tous. Elle a même dit que celui qui tente de prononcer ou c'est son nom, elle va faire quoi? Que les gens de la famille, même qui sont dans les directs, on les insulte. Elle va dire, c'est comme ça. Elle va vous tacler, elle va vous traquer, vous tous là. Vous allez confirmer. Et vous l'aurez voulu. C'est quand même illogique ce que vous faites. Vous avez vu une autre personne qui dit que Sylvain sortait avec vous, c'est sa soeur depuis 13 ans. Mais maman, ta soeur n'avait pas trouvé de suite à Sylvain depuis 13 ans. Aujourd'hui, qu'il est dans sa relation avec Salomé, ça devient une histoire que le gars de tu vas se trouver en train de clasher. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faisait avant. Franchement, c'est injuste. C'est injuste ce que vous faites. C'est vraiment injuste. Vous poussez des personnes qui n'étaient même pas capables de dire ah, sur quelque chose, à clasher. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Franchement. Moi, je dis quoi? Moi, ce que je remarque dans vos agissements et vos façons de faire, moi, ce que je remarque, c'est quoi? C'est que le Camerounais n'aime pas la paix. Le Camerounais sur les réseaux n'aime pas la paix. Le Camerounais sur les réseaux aime quand les gens se mangent, se fight, les gens se déchirent. Quand les gens se déchirent, il est content. Le Camerounais sur les réseaux, quand il voit qu'une fille est en train d'insulter un gars, là, il est content. C'est comme s'il joue même. C'est pas normal. Voilà un couple, Salomé dansait seulement sa chose. Elle n'aimait même pas le boli, hein. Sa danse, c'est tout sans boli dans son cabas. Un genre. Là, voilà qui danse. Voilà son guerrier. Moi, je l'appelais guerrier mandel. Le gars est debout comme les gens de Kunta Kinte, là. Baraqué debout comme ça, comme il.
Le gars est debout, le mal. Le dernier danse sa chose, ça vous a dérangé. Ces vidéos vous ont dérangé jusqu'à ce qu'il n'a pas les carreaux, elle mange tout l'argent, elle est montée, les amis ne s'occupent pas des enfants, et ceci. Vous ne connaissez pas ce que. Il y a des gens qui quittent du pays et qui développent une hantise contre le pays. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de personne, ni des enfants, ni de la famille, ni rien. Il a un souvenir, c'est-à-dire qu'un nauséabond du pays au point où il y a des raisons X que tu ne peux pas savoir. Peut-être la personne à qui il doit envoyer l'argent pour s'occuper des enfants, il ne veut pas que cette personne touche son argent, il n'envoie pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas sur quelle base les gens font de leur agissement. Et quand vos bouches, c'est-à-dire que le sourire ou le divogne ou le, vous appelez vos bouches là, quand vous avez tout la bouche dans les affaires des gens, nous voici aujourd'hui que Sylvain est devenu clasheur. Êtes-vous satisfait? J'espère que vous serez satisfait. Et allons-y, parce que Salomé, les gens disent que oui, Salomé, pour ma part, tu gagnerais à deux terres. Vous n'avez pas d'unité de mesure. Vous ne pouvez pas évaluer jusqu'où Salomé est touché dans cette histoire. Vous ne pouvez pas évaluer jusqu'où Sylvain est touché parce qu'on a prononcé sa mère. Vous ne pouvez pas évaluer. Vous savez seulement regarder les gens qui détruisent les autres. Parfois, vous êtes même les adeptes de ces sectes où on détruit les gens. Vous n'avez aucune idée de comment ça se passe à l'intérieur de la personne qui subit tout ça. Donc, arrêtez vos conneries de venir dire que oui, Salomé, pour ma part, je protégerai. Il ne faut pas parler. Stop! Salomé fait ce qu'elle a à faire par rapport à ce qui la concerne. Ça ne vous regarde pas. Laissez-la aller se heurter, elle va revenir après. Arrêtez vos conseils à la con. Moi, je ne conseille personne, ni Sylvain, ni Salomé. Mais vous qui avez organisé tout ça, parce que nous, on a vu ça venir ici sur Facebook. Nous, on vous a vu commencer les directs et dire que machin, ceci et ça. On est venu soumettre l'histoire à Élise. La madame a hanté pour venir parler parce qu'Élise avait dit qu'elle voulait parler. L'autre a dit que comme ça, ils sont revenus là-dessus. Nous, on a vu ça démarrer ici. On a vu comment ça a tourné jusqu'à ce que Sylvain est devenu clasheur. J'espère que vous êtes satisfait. J'espère que vous êtes satisfait maintenant. Vous venez de fabriquer un nouveau clasheur. Lui, il va clasher. Pensez que le clash, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Tout le monde peut devenir clasheur. Tout le monde peut avoir un droit de réponse. Mais on a vu comment vous les avez provoqués ici. Moi, j'ai vu ça avec mes yeux ici. Je suis Salomé. Je suis Sylvain. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est mon combat. Parce que vous ne voulez pas voir les gens vivre leur vie tranquille. Ils ne s'occupent pas des enfants. Et ça vous regarde à quoi? C'est vos enfants. Les seuls struggle avec ses affaires de famille. Vous savez les raisons pour lesquelles. Vous savez juste où il s'est occupé. Vous savez pourquoi il s'est arrêté. Vous avez des idées de ce qui se passe. Vous n'avez aucune bonne sens d'idée de rien de la famille. Des gens vont nous asseoir pour pondre des histoires. Et même s'ils ne s'occupent pas des enfants, ça vous regarde à quoi? C'est le seul père qui ne s'occupe pas des enfants. Ou c'est la seule femme qui mange tout l'argent de son gars. C'est quoi, Eve? Je suis Salomé. Aujourd'hui, demain et après-demain, je ne demande pas à Salomé de se taire. Je ne demande pas à Salomé d'arrêter. Jamais de la vie. Salomé doit s'exprimer. Vous comprenez quoi? Je dis que Salomé doit s'exprimer. Est-ce que vous m'entendez même? Vous comprenez quoi? Vous me comprenez même? J'ai dit, oh, Salomé doit s'exprimer. Vous comprenez quoi? Je suis Salomé aujourd'hui, demain et après-demain. Salomé doit s'exprimer. Donc arrêtez vos conneries. Vous êtes en train de dire que il ne fallait pas que pourquoi Salomé a répondu, Salomé, je te mets en garde, Salomé, c'est signe, Salomé, c'est là. Arrêtez vos conneries. Vous n'êtes pas Salomé, vous ne marchez pas dans ses pas, vous ne chaussez pas ses chaussures, vous ne sentez pas le caillou dans sa chaussure. Vous ne sentez pas la douleur. Vous n'êtes pas Sylvain. Le mal debout qui dansait seulement. Qui dansait seulement. Vous avez même dit qu'il ne dansait pas, qu'il n'était pas vraiment en amour avec sa femme. On a tout entendu dans les danses de Sylvain ici. Là. Aujourd'hui, vous êtes assis pour détruire ce couple. Voilà ce qu'on a comme résultat. Le couple clash en direct. Salomé, et jusqu'à ce qu'une femme vienne dire que oui, tu as insulté les femmes stériles. Mais Salomé s'adresse à une femme stérile parce qu'elle la connaît de tout ce qu'ils ont là-bas. Oh, tu as toutes les femmes stériles du monde. Donc, elle va porter le blâme de toutes les femmes stériles du monde. Vous savez, c'est trop facile de s'asseoir et critiquer. Hein. Vous savez ça, non? Ouais. C'est très facile de s'asseoir et critiquer. Et on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, si Salomé est enragé, le fait qu'on est venu porter atteinte à son couple et elle décide de s'exprimer, en tirant sur tout ce qui vient avec les protagonistes. Pourquoi vous pensez que c'est toutes les femmes de la terre qu'elle a insultées de stérile? Arrêtez un peu vos commentaires à la con, là. Vous exagérez un peu.
Oui, on insulte pas une femme stérile. L'autre allait jusqu'à dire que oui, quand tu dis qu'elle est stérile, Dieu peut se fâcher, prendre tout. Dieu prendra même Salomé. Même la chair de Salomé à partir de moi-même qui vous parle, je suis à Dieu. Donc, prendre tout, ne pas prendre tout. À un moment donné, on prend tout. Tout le monde est prêté à tout le monde. C'est quoi en fait? En fait, vous voulez quoi? Vous voulez que les gens soient aseptisés, c'est-à-dire que vous parlez aux gens, vous les hypnotisez, vous les empêchez de s'exprimer, vous les bloquez la bouche. Quand elle veut parler, elle ne parle pas. Si elle, elle a l'occasion d'insulter cette femme et de la traiter de ce qu'elle est, elle ne doit pas la traiter parce que Dieu peut prendre pour elle. Ce qu'elle a n'appartient pas à Salomé, ce que j'ai ne m'appartient pas. Parce que toi-même qui me regardes, tu ne t'appartient pas. Tout est prêté. Donc Dieu va la prendre comme il va me prendre, comme il va te prendre, comme il va nous prendre. Dans toutes les choses que tu as dit stérile, Dieu peut se fâcher, il prend tout. Il prend toutes tes affaires, il te prend même toi-même. Parce qu'il aime même toi-même que tu es debout là. D'accord? Nul ne s'en sortira vivant de cette vie. Donc vous attaquez les gens ne doivent pas vous répondre parce que s'ils répondent, on va dire que n'y a rien. Salomé, je suis avec toi aujourd'hui, demain après demain. D'accord? Sylvain, je suis avec toi aujourd'hui et ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur que la connerie là vient faire vous séparer. Ne faites pas l'erreur, quelle que soit l'affaire des Kaolo. Parce que j'avais maintenant me parler qu'il faut qu'il prenne ses Kaolo. Il faut que... Je suis d'accord qu'une femme qui a les papiers et qui sort avec un homme qui n'a pas les papiers, elle gagnerait à s'organiser, à le régulariser. Si les moyens ou si son statut le permet. Si ça ne permet pas, elle va trouver un autre moyen. Peut-être que vous ne savez pas sur quelle feuille de route ils étaient pour se légaliser. Maintenant, vous serez vous raconter tout et n'importe quoi. Oui, pourquoi il doit le légaliser? Voilà. Comme je l'ai dit dans le direct comment ça s'appelle? Les plus belles influences du net, là. Je l'ai dit dans le direct parce que, justement, elle gagnera à le légaliser. S'il arrive un voyage et qu'il faut partir quelque part, ben elle se retrouve à partir avec son homme. C'est tout. Parce qu'ils ils vont être flexibles. Bonjour, Kamtachou, Aéroba Follower. J'ai dit, oh, si une femme, virgule, qui a les papiers, ne légalise pas son amoureux, qu'elle danse tous les jours pour lui, elle danse, elle le regarde dans les yeux, elle est tellement en amour, une fois avec son homme. Ça veut dire qu'elle a des bonnes raisons. Ça veut dire que peut-être le statut de Salomé ne permet pas de régulariser. Vous connaissez comment la France est. C'est les statuts, chaque statut est différent. C'est tellement abstrait cette histoire. Maintenant, je ne respire pas. Ça va gâter le couple. Salomé et Sylvain, vous êtes mon combat. Je vous regarde. Ne vous gâtez pas. Ne vous gâtez pas. Ok? Ne vous gâtez pas à cause du Congo. Ça, c'est. Et légaliser les papiers, Salomé, si tu as les papiers, comme Kamtachou dit, tu as peur de légaliser pour qu'il parte. S'il part, ça fait quoi? Celui qui doit partir, celui qui doit rester, s'il va la vie. Qui a la clé de la vie de quelqu'un? Est-ce que tu as une prison, un endroit où tu vas l'enfermer pour qu'il... S'il doit partir, il doit partir, s'il doit rester, il doit rester. C'est qui le sujet, c'est ça. Donc si tu ne légalises pas de peur qu'il parte, toi tu as fait comment pour avoir ta part? Parce que si on veut regarder, quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un. Si on veut regarder, même si ce n'est pas la personne qui a fait, mais le fait même que tu as habité chez tel avant d'avoir cela, ça veut dire que. Dieu a utilisé qui il voulait utiliser pour te mettre à l'aise. D'accord? Dans vos choses-là, j'ai dit que Salomé et Sylvain, vous êtes mon combat. Je vous regarde. Vos choses que vous avez déjà vous achetez, les gens parlent partout. Vous commencez à faire là. J'espère que ça ne va pas vous faire vous manger entre vous. Consolidez votre couple. Ça commence à être intéressant. C'est là où ça commence à être intéressant maintenant. Là. Consolidez-moi la relation là proprement. Je dis bien consolidez-moi la relation là proprement. Salomé et Sylvain, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe, parce que justement votre couple, nous on vous regarde danser, les gens disent qu'il ne rit pas, il est froid, il est raide, il est si, mais ça t'arrange, Salomé c'est correct, ça te dérange pas, et à partir du moment ça te dérange pas, ben écoute, c'est ta relation, tu la vis comme tu penses, that's it, that's all, ok? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que une bande de personnes ont décidé que tu devrais donner des papiers à tout prix au gars. Si maintenant ton statut ne te permet pas de lui donner des papiers, il y a un plan B, plan C, plan D. D'autres gens ont dit que le gars travaille les papiers de ton frère, ou c'est de ton frère, que c'est toi qui manges. Mais je demande, comment vous faites même pour que vos vies soient même dehors comme ça, non, mon frère? Comment vous faites pour que vos vies soient dehors, un genre? Ça, je ne comprends même pas. Il travaille avec les papiers de l'autre, c'est le Salomé qui le porte pour mettre au travail. Comment vous avez dit ça? C'est quoi? Oui, il travaille les papiers de l'autre, Salomé le porte pour mettre au travail et il ne donne pas l'argent pour les enfants. Et on va tout entendre. Tout entendre. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour que vos feuilles de route internes soient dehors. Et ça semble être comme si la femme qui parle n'est même pas dans votre famille, que c'est la soeur de l'ex du gars. Moi, je ne sais pas. Le gars, toi, tu t'es confié à la fille là. Oh là là. Je suis dépassée. Moi, je suis dépassée.
Oh, franchement, moi, je ne sais même pas comment vous vivez dans votre promiscuité de France. La France, là, ça ne vaut pas la peine pour certains. Franchement, il vaudrait mieux ne même pas fréquenter certains gens. C'est malade, c'est pathétique. Comment ça se fait même que, oh, il travaille les papiers du frère de Salomé, oh, Salomé le dépose au travail, oh, il prend l'argent, il mange tout, on ne donne pas l'argent aux enfants, aux essais. Mais je demande, vous faites même comment? Vous faites ça comment pour arriver dedans? Moi, je ne comprends pas. Je suis Salomé, je suis Sylvain. Il faut que ce soit clair aujourd'hui, jusqu'à la Scaras. Je supporte le couple. Donc, Salomé et Sylvain, parce que je vous suppose obligé de consolider la relation. Vous n'êtes pas les premiers couples qu'on veut salir et casser. Moi-même, je suis sortie à un mariage avec mon mari à New York. On a dit que la manière qu'on danse, il n'est même pas. Il n'est même plus avec moi aujourd'hui. Là, j'attends depuis que ma copine Fatou filme les photos et dépose, il n'y a rien. Ngoyé avait fait un montage de mon mari avec une femme avec une robe rouge. Elle a dit que c'est elle, Fatou. Jusqu'aujourd'hui, j'attends pour que ma copine ait fait même une photo et m'envoie, il n'y a rien. Ça a fait que j'ai consolidé. Ça veut dire que ma relation, alors quand je vois mon mari, même j'ai même les frissons. Ça veut dire que, mon couple est obligé de fonctionner juste pour le mal. Juste pour que vous soyez autant écœuré. Je travaille aux solutions des problèmes. C'est-à-dire que tu ne peux pas marier contre le démêlé. Travaille pour le démêlé. Maman, la magie, c'est-à-dire que comme tu n'as jamais pensé dans ta vie. Donc, ça fait que même quand mon mari fait ça m'énerve, il me dit que mon bon gars, je vois souvent que mon mari, mon combat. Oui. Juste pour que ça vous écœure. Je ne vous donnerai pas raison. Parce que cette terre est vivante. D'accord? Donc, Salomé, et c'est maintenant que le vrai mariage commence. La danse que tu dansais là, non, c'était la danse flottant, bien. Il y a un vrai salon. Bien jour. Et monsieur Sylvain, vraiment, je vais vous vraiment vous dire quelque chose. Vous m'avez fait mal. Ça m'a vraiment fait mal, monsieur Sylvain, quand vous avez parlé dans le petit, la petite copine que j'ai reçue, vous parlez de votre maman et tout. Écoutez, ça, c'est la feuille de route des réseaux sociaux. On ne met pas son visage sur les réseaux sociaux sans être lynché de tous les membres de la famille. Tout le monde finit par passer à tabac sur les réseaux. Parce qu'on a une communauté qui n'a pas compris c'était quoi les réseaux. Donc la communauté a souvent besoin de passer tout le monde au cachet. Donc, monsieur Sylvain, c'est votre printemps arabe. C'est votre printemps arabe. Si votre maman suit les messages qu'on dit, elle dit juste maman, si le monde là est comme ça, c'est un monde pourri. Et puis c'est tout. La maman va comprendre. Mais la France, franchement. Faites du tout et n'importe quoi là-bas. Tout et n'importe quoi en France. C'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Moi, je vais dire à ces gens qui font les directs, qui multiplient les directs pour détruire les couples. Vous savez, à deux, il est bien vrai qu'à deux, on vit intensément. Mais se mettre à deux et trouver, n'est-ce pas, une espèce de canevas et que tout aille bien, c'est très difficile. C'est un parcours de combattant. Il y a beaucoup de travail à faire dans une relation. On travaille à construire des relations. On travaille à les consolider. Mais il y a une minorité de personnes. Je ne sais pas, je ne peux pas les appeler aigus. Je ne sais pas quelle est leur motivation. Mais j'ai comme l'impression que chacun doit vivre son printemps arabe à un moment donné. Et malheureusement, c'est le moment de Monsieur Sylvain et Madame Salomé parce que pendant longtemps, les gens ont trouvé que leur couple était ceci, c'était cela, ça ne fait pas ceci, ça ne fait pas cela. Et maintenant, ils ont décidé de les détruire. Soyez plus que fort. Vous avez un enfant, il paraît, suite à votre union. Et associé à ça, il y a aussi les enfants de Monsieur Sylvain, les enfants de Salomé. Je ne sais pas si c'est une famille recomposée, je ne sais pas là. Mais franchement, franchement, vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien, franchement, monsieur et madame Salomé, whatever, là. Vous avez mon soutien. Aujourd'hui, demain et après-demain, vous avez mon soutien. Donc, c'est un peu ça. Vous avez mon soutien. Donc, voilà. Vous avez mon soutien. C'est clair. Donc, moi, je suis avec vous aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord? Vous avez mon soutien. Aujourd'hui, demain et après-demain. Moi, je n'aime pas les anti, ceux qui détruisent les relations des autres. J'ai horreur de ça.
Vous avez mon soutien. Vous avez quoi? Vous avez mon soutien, monsieur et madame. Comment on appelle? Salomé, excusez-moi, je répondais à un message. Bon, alors, je suis passée là en direct parce que j'ai fait le tour quand je suis revenue. J'ai essayé de voir les sommes des choses que vous avez faites là. Je ne suis pas très contente de ce qui est. Et c'est là que j'ai décidé de faire ça, voilà. D'accord? Il y a des questions. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de questions. Je vous aime bien. Je crois que la page a gelé. Je vous aime bien. C'était vraiment mon coup de gueule sur ce couple-là. Sachez que ce couple, c'est mon combat. Salomé capture mon combat. C'était mon coup de gueule. Je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser. Parce que j'ai réglé beaucoup de choses. Salomé, Sylvain, vous êtes mon combat. Je dois gérer les messages et tout ça là. C'est compliqué.